Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'émission Chitata des nouvelles, ça qui est entré la caillou. Moi, c'est Met Info. Quel que soit côté branché, nous disons bienvenue sur le canal d'information sans fausse côté. Des journées grève avertissement, 40 organisations syndicales t'es lancées sur tout le pays d'Haïti pour journée 1er avec 2 février. Eh bien, c'est un véritable succès. Eh bien, objectif grève, ça, c'était pour relayer en mouée contre kidnapping, contre insécurité, avec tout pour demander chef l'État rappelé le mandat a fini dans date 7 février 2021 d'après article 134-2 constitution pays d'Haïti avec loi électorale mars 2015 là dans article 239 là. Donc sous champ de masse là avec dans ville Okaï t'ai gagné gros affrontement entre la police avec militants yo dans ville Okaï lui-même gagné yon moun qui mouri avec des les autres qui blessés. Gagné plusieurs syndicalistes qui ont même fait connaître ben grève ça c'est une grève politique qui ont fait contre politique kidnapping eh bien qui a fait dans pays d'Haïti. Donc gagné tout l'église catholique qui affichait position claire après fédération Barreau d'Haïti yo te fin sorti dans réunion résolution hier et que pour faire connaître chef l'État a mandé la fin en date 7 février 2021 là, mais c'est tout pas l'Église catholique à travers conférence évêque d'Haïti, mais qui fait chef l'État connaît, c'est sous même et article 134-2 ça, sous base même article ça, mais le dévoyé et deux tiers Sénat allait en date 12 janvier 2020. Donc, lui-même, un an après, MSC Topal qui arrive, puisque c'est dans la même élection, ça y est, chef de l'État lui-même, il était élu. Serge Gilles, c'est non, eh bien, un véritable combattant pour la démocratie, dans la lutte pour la démocratie dans le pays d'Haïti, mais qui lui-même, cassé code là, qui mourit hier soir dans l'hôpital Canapé Vert, dans l'âge 85 l'année. Donc, en pile, mon frère, c'est un gros pet pour le pays d'Haïti, puisque Serge Gilles, c'était un véritable combattant dans la question de lutte pour la démocratie dans le pays d'Haïti. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, Jean nous annonce au lit, eh bien, deuxième journée grève, avertissement, 40 syndicats transport avec ouvriers t'es lancé dans le pays d'Haïti contre insécurité, kidnapping, vol, viol, avec tout pour demander chef l'État, Jovenel Moïse, respecter article 134-2 constitution pays d'Haïti avec article 239 loi électorale mars 2015 là. Eh bien, d'après plusieurs et dans syndicalistio, c'est une grève qui réussit. C'était une réussite totale d'après ça, il fait qu'on est. Donc, tout le monde était capable de constater et gagner, et pas de gagner aucun transport dans la rue Port-au-Prince avec dans la ville provinciale. Donc, pendant des journées de grève, ça a. Donc, question l'école, commerce, industrie, eh bien, banque privée, coût public, fonction publique, coût privé, mais pas de fonctionner dans le pays d'Haïti. Donc, faut que nous disions où, dans Port-au-Prince, lui-même, pour journée jodia, eh bien, c'est dans champ de masse là, événement eux-mêmes, yo tap déroulé, côté te gagné gros et écoute gros détention et balle gros bruit balle qui t'a parti et balle réelle balle en caoutchouc avec gros coup de gaz lacrymogène et ben qui t'a lancé côté policier eux-mêmes t'es dans affrontement avec militants yo, pour eux-mêmes yo t'a tenté qui au même militaire qui t'a tenté fait quelques manifestations dans zone champ de masse là. Donc et gagné différentes unités dans la police là, et ben parmi yo Idmo Simo ben qui était campé, qui t'a bombardé à coup de gaz lacrymogène, balle réelle avec balle en caoutchouc pour te tenter gagner militants eux-mêmes qui t'a fait la go caché à yo sous champ de masse là. Donc pour être capable demander eh bien, relé à bas insécurité, à bas kidnapping, avec tout pour rappeler chef l'État et que mandat a fini la date 7 février 2021. Nous invitons à suivre comment ça a été sous champ de masse là, journée et jeudi. Nous-mêmes, nous parlons de violence. La police.
police lui-même c'est lui qui a fait répression, violence sur nous. D'ailleurs, où est-ce qu'on manchette là? Nous jeunis là, mon camarade, nous prenons nous jeter. Nous disons Jovenel Moïse, c'est bien compté, mal calculé. Nous avons fait tous les bagarres avec elle, même lorsque lui utilisait la police pour tuer nous. Nous disons 7 février, pas de faire bac. Toute population, 10 départements, levez, campez, levez, campez. Si Jovenel, pas de partir 7 février, déchoucage total. Et nous avons utilisé toute force en deux pays pour nous faire Jovenel parti. Parce que militaire mourit, journaliste pas à l'abri. Nous, ouais, marche, journaliste est fait. Côté des gars, bat journaliste, à balle, journaliste, gaz le pied, calotte, gardez devant Wadeo à la Dalia là. N'est-ce pas, bah, on journaliste, deux calottes devant là, nous faire répression, c'est ma vie, c'est pas militaire qui est tombé là, et bien, n'est-ce pas, monsieur journaliste là. Nous, même militants, nous disons, nous pas faire bac, malgré tout le monde, n'est-ce pas, tué, n'est-ce pas, utilisé gang, quartier populaire, Genève, pour craser nous, nous disons, n'a pas tombé là, ça pas mourir, ça mourir, n'a pas vengé, et ça pas mourir, n'a pas continué la bataille là. Parce que nous disons, Jean Masse, c'est force résistance populaire. Jean Masse, pas blague bataille là. C'est Jean Masse qui toujours voit un signal dans l'amenant par toute couche qui est dans le pays là. Pour nous dire, camper. Parce que c'est camper bataille de lieu. Opération de barricade. Nous disons que je dis là, on frappe, on campe, on campe des barricades nous. Pour nous dire, barricade nous, c'est avenir nous. L'homme dit, barricade nous, c'est avenir nous. C'est pas pour sans raison qu'on dit ça. Parce que sans barricade là, les gens ont jambé à la population, à tuer petite population, à tuer petite. Peuple défavorisé, parce que PHK, il fait vol, gaspillage, on a le sérieux, l'argent pétro-caribéen, c'est pour ça que Jovenel à PHK, goumé, pour pas gagner justice, pour pas gagner arrestation, pour pas gagner règlement de compte, nous dit que c'est bien côté mal calculé. N'a pas dit, n'a pas frappé, tout chaque jour après grève là, bataille a continué. Et n'a pas dit, remerciement avec tout le monde qui vient nous refonctionner dans la journée aujourd'hui. Parce que nous dit, Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas ça là. Mais pas comme jour et qui liberté va compléter. Pas tout le monde va là pour vulgariser nous. Merci Jovenel Moïse. C'est bien qu'on mal calculé. Nous ne pouvons pas battre la bague. Nous disons tout le temps Jovenel, pas quitter de parler à la journée là. Nous sommes jusqu'à ce moment. Et dans ce sens, nous disons, nous-mêmes, nous ne pouvons pas baisser les bras. Peuple haïtien, victoire finale là, c'est pour nous lier. Article 54, tiré 2, maman loi PIA, si Jovenel Moïse, mandat fini. Ma pande, tout le monde dans la vie nationale là, mettez pied nous à terre pour nous venir faire bataille là. Bassisman dans ce rabot et la jeunesse. J'en tout journaliste là, qui a aidé nous faire bataille là. C'est dans ce sens, nous disons nous-mêmes, nous ne pouvons pas baisser les bras. Notre bataille, victoire finale là, c'est sous peuple allié. Les dessalines d'a goumé, ils t'ont goumé matin, ils t'ont goumé la nuit. Les colons, t'es tout et des salines, nous-mêmes nous disons, comme jeunes. Cap bataille, massacre Tokyo, massacre La Saline, massacre Belin. Nous disons, peuple haïtien, c'est peuple qui peut sauver peuple. Toute machine qui est dans la rue, croiser machine dans la rue, pour nous capables sauver le kidnapping, pour nous capables sauver Kade Jacke, gang Genève, en famille, nap de chouke yo, avant 7 février 2021. Nous-mêmes, parce qu'on a bien réveillé, nous sermenter 7 fois, 77 fois. Jovenel Moïse, ou a parti quitter le pays, nous-mêmes, nous attendons nous, pénitentiaire nationale. Disciple de Gapiret, nous disons, machin, élève l'école, professeur, rete la carrière. Grave Piret, grave général, sur toute l'éternité du pays d'Haïti, grave, bien, était grave syndicat, disciple et grave peuple, grave continue pour Piret. Mes amis, mon qui aime sauver tête yo, grève pirette, Fontamara bloqué, Delma bloqué, Matissan bloqué, Belé bloqué, La Saline bloqué, par en haut, par en bas, pays a fermé, parce que on grande journée pour nous voir Jovenel aller, c'est 7 février, mais 7 février a commencé depuis jeudi. 7 février pour Jovenel aller, bon, soit côté Jovenel blabla, c'est pour la caille. Dans la ville au Cap, la situation lui-même n'est pas différente. C'était un véritable désert, même genre avec Port-au-Prince, où vous avez constaté le sous-champ de Massa, c'est un véritable désert. Eh bien, pendant deux journées, grève ça a eu, pas de gagner l'école, ni commerce, ni transport, eh bien, il y a tout absent. Cependant, gagner et quelques incidents qui étaient arrivés dans la ville au Cap haïtien, côté gagné, moun qui mourit, gagné, yon moun qui mourit en bas balle avec des lots qui blessés.
Donc, disons, population lui-même, lui acquise agent BESAP, qui lui-même, c'est un corps qui est formé pour protéger les questions des forêts et zones protégées, avec tout agent BLTS, ben, il est accusé dans la mort citoyen ça qui mourit dans la ville de Cap-Haïtien, avec l'autre de l'autre citoyen qui blessé. Dans la ville Okaï, eh bien, c'était deux journées manifestation. Yo même, yo te fait dans la ville Okaï, dans le cadre de journées grève sa yo. Eh bien, côté bilan, gagné une machine service l'État qui boulait, plusieurs militants arrêtés. Donc, militants sa yo même, yo t'apprends à joindre libération yo, yon titan après. Dans le courant journée, eh bien, c'était Gadcote avec IDMO et puis BLTS qui ont même été déployés dans centre-ville Okaï pour tenter de prendre contrôle de la situation. Et côté manifestants, ils ont même été finis. Donc, population et dans ville Okaï, manifestants eux-mêmes, yo eh ben critiqué comportement commissaire gouvernement Okaï là, Ronald Richemont, avec directeur départemental police là qui lui-même gagné seulement environ un mois depuis l'y installé dans ville Okaï, mais yo fait connait monsieur ça eux-mêmes, yo estimé yo mal agi avec population nan tiré zam donc à hauteur d'homme nan ville Okaï nan cadre manifestation silayo. L'autre information toujours question qui gen rapport avec question manifestation gagné et professeur Josué Mérilien nous retourner nan Port-au-Prince gen professeur Josué Mérilien lui-même li dénoncé et président tiers sénat Joseph Lambert lui dit ben cap chercher sauver président Jovenel Moïse sous pouvoir. Josué Mérilien précisé peuple haïtien lui-même li pa prend nan chantage et mandé population ben pour le continuer mobiliser pour joindre départ chef l'état 7 février 2021 sous pouvoir. Pour Magali Georges, responsable CNH, et bien lui-même, il dit c'est une grève politique li fait et disons syndicat yo fait et ni contre opposition ni contre pouvoir puisque d'après lui son kidnapping politique qui fait dans pays a fait dans pays a donc c'est pour capable stopper kidnapping non. Donc li fait qu'on est il y a tant de décisions l'état à prendre mais après ou même pour qu'on est qui ça pour faire après. Mais des journées grève ça qui paralysait tout pays d'Haïti. Nous invitons à écouter Josué Mérilien avec Magali Georges. C'est une politique qui est là-bas qui, je veux dire, voulait tenter sauver le régime de Kachina sur le Jovenel. Nous dit que, je veux dire, peut-être là-bas, c'est ce dialogue avec le kidnappé officiel. C'est comme demander qu'il vous d'un coup, le kidnappé officiel, il demandait que cette mienne a aussi bien même. Je voulais faire la révélance et que lui m'a dit qu'il était clair, ça a demandé, quand il a fait un dialogue, et je lui ai dit, ensuite, nous sommes en dialogue là, qui sont les suspects, mais quand il a fait un tour, il a fait un caïmatéli, dans ta lase, a dit que nous comprenons, son dialogue qu'il a fait pour Matéli, la caïmatéli, dans ta lase. Donc, moi, c'est que, ça nous dit que, alors, nous disons que, il va dans ta lase. Donc, tout le monde a bien demandé, Matéli, Olivier, qui côté Olivier, rien comme ça, achète ta lase. Donc, nous pensons que c'est la attention sur ça, et nous pensons que il y en a un premier côté pour le peuple là, dans le gris Boscol, c'est sous Talaz, pour le demander, si Olivier, qui ça a été fait comme travail? Qui ça a été comme com? Qui fait que l'idée est comme moyen pour acheter Talaz, et je veux dire, et qui côté des millions peut-être. Sans ça, nous dit que nous-mêmes, nous avons sorti là-haut, nous décidons de continuer à gouverner, et on est tout premier pour que ça soit net. Dans quelques pays, pour dire mobiliser dès demain, à cette grève-là, c'est démarrage, mobilisation de permanence pour que nous vivions, joignent rapidement et à l'extraction toute équipe qui est dans l'officiel. Comme c'est Major Del, Jout, Agena et d'autres versions. Et nous avons établi une pression rupture qui m'a fait m'appeler là. Et nous finissons pour nous dire que vous accoxiez au corps politique qui dit que nous nous demandons qu'il le fait. Après, je vais aller. Donc, côté de Mazagon dit, bon, vous avez une proposition et d'autres divisions. Je veux dire, il y a trois corps politiques qui signent et qui veulent dire que nous avons décidé de trouver nos projets là. J'attendais fait avant, je disais que c'est le peuple qui a décidé qui nous a proposé Jovenel et qui commence à faire. Donc, à quoi ça? Soit qu'on demande, il est ouvert. Il est ouvert à
quatre secteurs qui font corps, qui peuvent signer et qui peuvent endosser un accord pérennier qui va appartenir à tout le monde. Est-ce que grève la politique, est-ce que grève la politique? Magali, je dis oui, grève la son grève politique. C'est une réponse à une politique que le gouvernement met en face nous, qui, côté yon, installé et la pérenne, insécurité, kidnapping comme mode de gouvernance. Et face à mode de gouvernance, nous sommes grève politique pour nous dire attention, nous comprenons. Nous sommes grève politique tout face à l'opposition. Pour nous dire nous-mêmes, c'est syndicanier, les agents pour le pouvoir, c'est tout ça n'a pas face. Parce que c'est une politique qui a fait. Une syndication organisation politique, une syndication organisation apolitique tout. L'apolitique, parce que Mbagé doit dire, mais qui monde pour voter. Il y a toute liberté de conscience. Mais c'est une organisation politique, parce que politique éducation, politique santé, politique sécurité, nous c'est avant-gardiste, nous c'est sentinelle pour veiller à ça. La question que nous connaissons, nous gouvernement connaît à faire une paix parce qu'il y a des grèves politiques. Oui, c'est une grève politique, parce que c'est un peu de kidnapper en face. Oui, c'est une grève politique, c'est parce que pas rien, c'est moi qui peur, et pas mon cap s'aimer la tout la paix. Oui, grève là son réponse politique à un mode de gouvernance qui choisit comme méthode kidnapping, la pérèse, intimidation. Et son grève politique tout face à l'opposition pour nous dire nous-mêmes. Comme société civile, nous prenons responsabilité, nous même qui fait politique, nous attendons la route qui a tracé pour sortir du pays en kidnapping, parce que nous clair pour le gouvernement ça aller. Nous avons monté, nous avons dit nous clair. Qui projet nous avons pour sortir du kidnapping dans l'insécurité? Qui projet nous avons dans l'éducation? Qui projet nous avons dans la santé? Qui s'agit depuis le jour où nous prenons pouvoir pour faire ramasser dans la rue? Parce que faire la son insécurité, nous avons dans le dans toute la rue. Toujours avec ça qui gagne ouais avec question deux journées de grève qui étaient lancées sur tout le pays d'Haïti, eh bien gagné du Sanson, yon na responsable et brigade syndicale fait qu'on ait deux journées de grève ça yo syndicat yo même yo t'est lancé sur tout le pays d'Haïti, c'est un véritable succès. Eh bien, pour y être capable de relayer Charles Marie, mais contre insécurité, avec kidnapping dans le pays, avec tout pour forcer chef l'État, président Jovenel Moïse, mais remettre pouvoir 7 février 2021, cap venir là. Dumé Sanson, lui-même, lui, quoi, mais c'est tout haïtien qui vous mettez tête ensemble. Eh bien, si tout haïtien met tête ensemble, il est capable de faire un pile bagaille. Donc, responsable syndical l'a dit, eh bien, il a levé grève là. En attendant, yo ouais, qui ça, qui résultat ça a porté, qui réponse mes autorités qui se pouvoir à bail. Donc nous invitons à suivre yon après l'autre du Sanson avec syndicaliste Georges Wilbert Franck. Je vous remercie la population en général, je vous remercie tout secteur, toute l'autre entité qui est sur l'organisation populaire, notre syndicat, transport, notre syndicat, dans tout secteur, dans toute entité qui est côté solidarité pour permettre grève là lui-même. Il réussit de jeûner grève là, je ne veux dire sans satisfaction pour le collectif là et pour le brigade syndical en particulier. À partir de 5 heures, nous mettons fin avec la deuxième journée de grève là. Pendant la région, la grève a continué, mais à partir de 5 heures, la privée est en bout. Et nous avons demandé à la population en général pour toujours être mobilisée, retenir nos d'ordre collectif là, par rapport avec l'ensemble des revendications. Nous avons demandé pour que nous gardions comment l'autorité va réagir pour nous connaître qui l'autre phase nous-mêmes, souper nous-mêmes. Nous donc, dans ce sens, c'est une grande satisfaction pour nous. Et deuxième journée, nous pensons qu'il était à 95% réalisé, parce que nous connaissons quelques communes. Il y a quelques départements pour dire qu'il y a une sécurité qui a commencé à faire, mais finalement, la population répond encore, tout secteur répond encore avec la deuxième journée, pour dire que nous-mêmes, au niveau des collectifs, nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes capables de remercier la presse qui vraiment supporte les deux journées de grève là, qui permettent les messages, les informations à la jeune population. Donc nous connaissons bien que tout ça qui a passé aux questions qui kidnapping n'a pas aucun secteur qui est épargné, même les journalistes subissent de toutes questions ça autour par rapport à la question de sécurité généralisée à travers le pays. Nous, pendant deux journées de ça là, si nous apprenons l'information, nous sommes sûrs qu'il n'y a pas aucun cas de kidnapping qui est resté pendant deux journées de là. Son signal qui montre que la population dit non avec question de kidnapping. Nous avons kidnappé nous. Nous n'avons pas joué nous effectivement parce que la population répond à l'appel là. Et tout secteur répond à l'appel là parce qu'il n'y a pas sorti la rue en blanche que kidnapper eux-mêmes ne pas qu'à mener l'opération. Et c'est dans le même sens là tout, nous avons dit l'État son signal que nous avons dit la population lance Bali parce que l'aide fait solidarité ou bien côté collé avec grève là pour assumer responsabilité. Nous ne connaissons pas qui ça a fait, mais le fait que nous connaissons, c'est l'autorité en
place yo qui gagne mission pour bailler population sécurité faut que vous fait tout ça au connait pour assumer responsabilité ça donc dans ce sens nous mêmes au niveau des collectifs là n'a toujours mobilisé n'a toujours entendu nous n'a toujours organisé nous pour nous connait qui façon n'a pas accompagner population mais autorité yo il est clair que pour prendre responsabilité parce que population dit il pas capable avec question insécurité ça nous mêmes nous lançons un signal pour montrer que nous-mêmes nous capables d'entendre nos différentes entités qui gagnent dans ce secteur syndical là. Côté que nous, les nouvelles nous mettons ensemble, ces signaux ça nous voyons dans l'autre secteur autour. Les nous mettons ensemble, nous gagnons plus de force. Nous gardons la tégétan, faire une démarche pour que nous lancions un mouvement comme ça. Mais par le fait que nos consultations nous ont fait à l'autre secteur, nous finissons par un terrain d'entente et dans ce sens, ça nous pense que la solidarité ça nous fait. Il veut dire un peu de bagaille pour nous, pour toute société. Donc nous continuons à réfléchir ensemble pour connaître comment nous allons avancer. C'est dans quatre batailles ça qu'a fait là parce que nous pouvons connaître qui façon autorité eux même pour répondre à travers grève ça que nous t'ai lancé pour deux jours collectif syndicat haïtien pour respect constitution 1987 là bat bravo la contentement les retirer chapeau bien bas devant peuple haïtien qui montrait que yo toujours m'a connait à idéal ancêtre nous yo qui était bataille contre l'esclavage qui te ban nous droit pour nous vivre dans liberté et bien-être sur bout de ça. Les yo décidé répondre en grand nombre sans contrainte, sans forcer à appel que collectif syndical a été lancé pour nous faire deux journées de grève contre kidnapping, contre insécurité, contre viol constitution, contre vol qu'a fait dans pays sans forcer, sans pression, sans aucune parler en pile. Nous voyons que le peuple haïtien, pour la première journée de grève, les respecte. C'est un appel que le peuple a lancé par l'humanité à travers grève historique ça pour nous dire non, cette fois non, peuple haïtien, pas d'accord que l'esclavage reprenne place sous terre d'Haïti sous forme kidnapping. Après Fédération Barreau d'Haïti, qui a 18 barreaux dans le pays d'Haïti, a fini de rappeler chef l'État, président Jovenel Moïse, mandat a fini dans la date 7 février 2021. Kap vini là, dans cadre d'une résolution qui a été adoptée. Et bien, journée aujourd'hui, ben c'était tout pas conférence épiscopale évêque d'Haïti, l'Église catholique, qui rappelait chef l'État. Eh bien, c'est sous base même article 134-2 Constitution 1987 là, avec article 239 Loi électorale mars 2015 là. Eh bien, lui-même, chef l'État, président Jovenel Moïse, il était voyé, mais deux tiers Sénat aller dans la date 12 janvier 2020, qui donc, yon l'année après, le président te fin fait geste ça, mais c'est tout pâle, mais pour aller dans la date 7 février 2021. D'après ça, après là, l'Église catholique, yon même, yon fait qu'on est pendant évêque, yon mandé yon vrai dialogue entre différents acteurs dans la crise politique là, avec tout secteur yon, et bien, pour yon capable éviter yon chaos dans le pays là. Après 7 février 2021, kap vini la pour capable joindre une vraie solution dans la crise là. L'autre information, Serge Gilles est une grosse icône dans les affaires politiques avec l'Ite pour la démocratie dans le pays d'Haïti. Eh bien, monsieur mourit hier soir dans l'hôpital Canapé Vert à l'âge 85 l'année. Serge Gilles, c'était un ancien sénateur, il était tout ancien responsable Vision sociale démocratio et puis tout, c'était ancien candidat à la présidence. Nan akaye, yon policier blessé en babal et nan moment te genyen échange coup de zam entre la police avec plusieurs individus qui t'ap monté barricade pour être capable bloquer route nationale numéro 1 nan niveau Saint-Ar mais pour être capable mandé chef l'État mais pour le fond à l'école sous pouvoir nan date 7 février 2021 qui se date mandal aprivé nan bout li. Nan Delma, bandi armé moun pa rive identifié assassiné Rebecca Auguste 36 l'année la Kaili dimanche soir en présence de petite li. Donc action ça, action criminelle ça passé nan Delma 44.
L'autre information, on a fait un coup de pied dans le pays étranger, qui a mené direct dans le pays États-Unis. Le président américain Joe Biden envisage de signer 3 décrets sous affaire immigration avec intégration dans le pays États-Unis. Décret ça doit retourner sous une série de décisions prédécesseur ancien président Donald Trump te prend sous affaire immigration. Joe Biden a demandé gouvernement là ben pour faciliter 9 millions immigrants qui éligibles capable joindre citoyenneté américaine. Donc il y a bayo nationalité américaine. L'autre information, nous toujours à l'étranger, toujours dans le pays États-Unis, gagné président Joe Biden, il menace là ailleurs, mais pour reprendre plusieurs sanctions contre le pays Birmanie après coup d'État l'armée birman, lui-même il fait contre président birman et Aung San Suu Kyi. Joe Biden mandé une réponse internationale concertée pour capable forcer junte militaire lui-même pour remettre pouvoir by Aung San Suu Kyi que monsieur militaire lui-même yo capoté sous pouvoir. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'est là nous camper avec édition information ça, c'était amis frères, mettez info qui t'observe, nous casser rendez-vous demain, même l'heure même chaîne. C'est pas bon Dieu content.